Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mickaël. Aujourd'hui, je vous propose une séance de renforcement musculaire. Donc, on va commencer par s'échauffer. On commence avec la tête, on fait des cercles dans un sens. 2, 3, 4, 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, les épaules. On fait des grands cercles vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Puis vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va passer au coude. On tend les bras, on vient venir tendre en dessous. 2, 3, 4, 5. Ensuite, on passe au poignet. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Impeccable. Ensuite, rotation du buste. On tourne les pieds d'appui pour libérer la hanche. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on passe au bassin. Des grands cercles dans un sens. 2, 3, 4 et 5. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, on va passer aux hanches. On va enrouler les jambes vers l'arrière comme ceci. On lève bien haut. 3, 4 et 5. Ensuite, on passe au genou. On fait des petites flexions comme ceci. 2, 3, 4 et 5. On joint les deux pieds. On fait des rotations. On alterne d'un côté et de l'autre. Et on relâche. Ensuite, on va passer aux chevilles. On décolle un pied et on va faire des rotations dans un sens. 4, 5 et dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. On passe à l'autre pied. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Impeccable. Dans la suite, pour monter le cardio, on va commencer à sautiller comme ça, gentiment, de gauche à droite. Et on va partir pour des montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on sautille. Attention, talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on sautille. On continue. Maintenant, on va monter les bras. Et on va envoyer des coups de poing direct tout en continuant de sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sautille, on continue. Et maintenant, on va partir pour des jumping jacks. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on repart et on sautille. Maintenant, on va twister au niveau des hanches. Comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on sautille, on continue. Et on repart pour un deuxième tour. Allez, montez de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Talons fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Coup de poing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
et twist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On sautille et on relâche. On respire et on va boire un peu d'eau. Alors maintenant, on va partir sur un travail au niveau des abdominaux. Il y aura deux exercices. Premier exercice, ce sera la planche sur les mains. Deuxième exercice, ce sera des mountain climbers. Ça va durer 10 secondes chaque exercice et on va faire ça 5 fois. Allez, on se prépare. Attention, en position et on y va. On maintient, je rappelle, la planche, on pousse bien dans les bras. On contracte bien abdos, fessiers, on pousse bien dans les talons. Allez, mountain climber, c'est parti. Allez, planche. J'ai bien les mains sous les épaules. Je reste bien droit. Allez, on monte bien les genoux. On pense à respirer. Et on relâche. Deuxième partie, on va partir sur un travail 30 secondes d'effort et un repos de 30 secondes. Ok. Donc premier exercice, ce sera des squats comme ceci. Deuxième exercice, ce sera des pompes comme ceci. Troisième exercice, ce sera le Superman comme ceci. On vient relever le buste. Les pieds sont au sol. Et le dernier exercice, ce sera hollow body. Donc, je suis allongé. J'ai les épaules décollées, les pieds décollés. J'ai le bas du dos bien plaqué au sol, les bras le long du corps. Et je maintiens la position. Allez, on est parti. 3, 2, 1. C'est parti, squat. Allez, on y va, on pense à son gainage, à garder le dos droit. On essaie de descendre le plus bas possible. Et on relâche. Les 30 secondes de pause, on se prépare pour le prochain exercice. On peut boire si on a besoin. Allez, on se prépare. 3, 2, 1, et on y va. Dès que ça devient trop dur, on pose les genoux au sol pour garder toujours une bonne technique. On relâche.
Allez, on se prépare. Qu'on est bien allongé sur le ventre, face contre terre, les bras le long du corps. Voilà, on se positionne. Hop, je rappelle ce mouvement-là, j'ai les épaules décollées, je contracte bien les abdos. Les jambes sont décollées aussi. Et on pense à respirer. Important de s'hydrater, surtout quand on fait de l'exercice. Allez, on va attaquer le deuxième tour. Attention. Et c'est parti. Allez. Contrôlez bien le mouvement. Pensez à bien gainer. Avoir le dos droit. Je rappelle pour les pompes, j'ai les mains qui sont bien sous les épaules. Allez, on y va. Allez, on va se préparer pour le prochain exercice. Hop, position, les bras bien le long du corps. Et c'est parti.
Allez, vous contractez bien les abdos, gardez bien les épaules basses. Bien les jambes tendues, contractées, mais bien gainées. Allez, on attaque le dernier tour. On fait toujours attention bien à sa posture. Voilà, même si ça devient dur, on ralentit le mouvement. On prend le temps de bien faire les mouvements. C'est très important. Il ne faut pas se blesser. Allez, c'est le dernier exercice. Après, on passera aux étirements. Allez. Et voilà. Maintenant, on va passer aux étirements. Allez, on vient tendre une jambe qui est l'autre à l'intérieur. On descend, dès qu'on sent que ça tire, on maintient, on ne va pas plus loin. Et on ne donne surtout pas d'un coup. Ensuite, on change, on fait pareil de l'autre côté.
On revient, on retend l'autre jambe, on va plier l'autre jambe derrière, on garde bien les deux cuisses parallèles et on vient descendre. On doit sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. On revient, on relâche. On passe à l'autre côté, pareil. Ensuite, on vient en position papillon. On ramène les talons au sol. On garde le dos droit. Ok. Et avec ses coudes, on va venir pousser à l'intérieur des cuisses. Si ça tire déjà, il n'y a pas besoin de pousser. Relâche. On va venir détendre les hanches. Comme ceci. Ensuite, on va venir dans cette position. Hop. On va venir attirer les abdominaux et le bas du dos. Ensuite, on vient chercher derrière, on va attirer le dos et les épaules. Et on relâche. Ensuite, on va détendre le cou avec quelques petites rotations, les épaules. On détend tout ça. Voilà, super.